Yo les gens, c'est Mr. John Cena. Comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo assez spéciale puisque c'est la présentation plus déballage DVD numéro 3. Donc je suis allé au Leclerc La Ferté sous Jouarre, encore une fois de plus, où j'ai acheté 2 DVD et 2 Blu-ray. Donc je vais vous présenter, c'est parti et bonne vidéo. On va commencer avec un film réalisé par Steven Soderbergh. Donc ce film-là, il a été tourné uniquement à l'iPhone. Il s'agit du film Paranoia. Voilà, en DVD. Donc, je voulais le petit résumé. Donc, une jeune femme convaincue d'être harcelée est enfermée contre son gré dans une institution psychiatrique alors qu'elle mène... Alors même qu'elle tente de convaincre tout le monde qu'elle est en danger, elle commence à se demander si sa peur est fondée ou le fruit de son imagination. Voilà. Donc voilà. En bonus, il y a quoi comme bonus? Il y a Insanity version originale sous-titrée. Je connais pas ce truc. Donc, ouais. Donc vous voyez, je l'ai acheté au Leclerc de la Ferté sous Jouarre. Voilà, pour 5 euros. Le deuxième film, c'est une... C'est une saga, donc j'ai presque tous les films, d'ailleurs en DVD. J'ai le 1, le 2, le 3, le Tokyo Night, le Market Ones. Oui, parce que regardez, je vais vous montrer. Donc j'avais acheté un coffret comme ça à la brocante de Robet. Je vous avais même pas présenté d'ailleurs, c'est pas grave. Regardez, il y avait le Paranoia Tokyo Night, donc c'est celui que je voulais trouver. Mais manque de peau, c'est que je l'avais déjà acheté dans une brocante, et là je l'ai racheté dans le coffret, voilà, malheureusement, donc c'est pas grave, je l'aurai en double, mais au moins j'aurai le Paranoia Activity Tokyo Night, voilà. Et bien là, j'ai réussi à trouver, pareil pour 5 euros, le Paranoia Activity 5 Ghost Dimension, voilà. Il manque plus que le 4, et j'aurai la saga intégrale des Paranormal Activity, qu'il faudra que je trouve en Blu-ray, parce que c'est du DVD, maintenant il faut que je trouve ça en Blu-ray. Donc en bonus, et ben il n'y a pas de bonus, il y a juste le film, et puis c'est tout. Voilà, voilà. Voilà pour le, voilà pour les deux DVD. On va maintenant passer au Blu-ray, où là, il y a du lourd. Il y a vraiment du lourd. Donc pour le premier Blu-ray, c'est un film de David Cronenberg, en Blu-ray. Hein. Il s'agit du film La Mouche. C'est le tout premier film, La Mouche, donc c'est le 1. Hein. Donc ce film-là, j'avais vu en VHS à l'époque. Les seules scènes que je me souviens de ce film, il y a une scène où l'acteur qui va se transformer en mouche à la fin du film, il tape sur son ordinateur et en fait, il y a des morceaux de son doigt qui restent collés au bouton du clavier, en fait, aux touches du clavier. Pareil aussi, quand il se gratte le nez, je crois, il y a un bout de son nez qui s'enlève. Donc voilà. Et à la toute fin, en fait, quand il sort, quand il bloque sa femme dans la cave où il y a la machine à transformer, voilà. Et ben en fait, il s'enlève la tête. En fait, il s'arrache la tête en deux. En fait, il s'enlève les bouts de tête. Et en fait, ça se transforme, il se transforme en mouche. Voilà, c'est assez horrible. Voilà. Voilà des seules scènes que je me souviens de ce film. Mais là, je sais pas du tout ce que donne la qualité Blu-ray. Je verrai bien. Le deuxième Blu-ray. C'est ça, c'est exact. C'est le film Paranoia que j'ai acheté en DVD aussi. Donc du coup, j'ai le DVD et le Blu-ray. Alors, ce que je trouve assez bizarre, je vous dis vite fait ce que je trouve bizarre, c'est que ce film-là, il a été tourné à l'iPhone. Donc l'iPhone, ça fait de la bonne vidéo, ça fait des très bonnes vidéos, ça tourne d'excellentes vidéos. Et là, ils l'ont sorti en Blu-ray. À quoi ça sert de sortir un film tourné à l'iPhone en Blu-ray, puisque la qualité elle est déjà en Blu-ray? Bizarre. Donc du coup, je verrai bien ce que donne la qualité DVD et Blu-ray. Voilà. Donc voilà. Et en plus, le bonus, il est exactement le même que sur le DVD. Donc le bonus, c'est une Insanity sur le Blu-ray et pareil sur le DVD. C'est les deux mêmes bonus qu'il y a sur les deux versions. Voilà. Donc là, sauf que là, regardez, la différence de prix, elle est là.
Voilà. Ça, je l'ai acheté 5 et là 7. Donc voilà. Le Blu-ray est un petit peu plus élevé par rapport au DVD. Voilà. Bah, on va commencer par le. On va le déballer, hein, du coup. Voilà. DVD de Paranoïa, comment il se présente? Voilà. Oh non! Pourquoi ils ont fait ça? Sérieux? Sérieux? Le disque, il est même pas sérigraphié et au lieu de marquer Paranoïa en français sur le disque, ils ont marqué Unsane. Et regardez le DVD comment il est. Sérieux? Le DVD n'est même pas sérigraphié. Dommage. Dommage. On va passer maintenant au DVD de Paranormal Activity Tokyo Night. Ghost Dimension, pardon. Bien sûr, ça vous dit un sourire, comme d'habitude. Voilà comment se présente le Paranormal Activity 5 Ghost Dimension. Voilà. Eh bien, c'est pareil que le Paranoïa. Le DVD n'est pas sérigraphié. Voilà, génial. En plus, il y a des traces de rayures sur le devant. Il y a des petites rayures sur le devant. Je sais pas ce que c'est. C'est des traces de goût. Je sais pas. Voilà, donc malheureusement, ces deux DVD-là ne sont pas sérigraphiés. C'est dommage. Franchement, c'est franchement dommage. Donc c'est pas grave. Hein. Tant pis, hein. Au moins il y a le film dessus, c'est pas grave. On va continuer avec ça. La mouche. Oh. Voilà comment se présente le Blu-ray de la mouche. Voilà. Est-ce qu'il y a marqué l'encodage dessus? Oui, MPEG 4. Donc c'est du MPEG 4. Ah, bah, d'accord. Voilà le Blu-ray comment se présente. Voilà. Donc c'est chouette de l'avoir en Blu-ray. Ça, un film d'horreur de la collection de Blu-ray. Et on finit avec Paranoïa. De Paranoïa. C'est une catastrophe. C'est une. Non mais honnêtement, je vous dis, c'est. Ah. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez. Le DVD, il est comme ça. Il se fout de nous. Il se moque de nous. Regardez. Sérieux. Non mais sérieux. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. Le DVD n'est même pas sérigraphié et le Blu-ray non plus. C'est exactement la même couverture que le DVD. Ouais, bon bah c'est pas grave, au moins, ouais, c'est pas grave. Voilà, donc pour les nouveaux achats que j'ai fait. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. C'était Mister Jensina, sur ce. Ciao tous.